vous me l'avez déjà demandé. Ben, redites-le-nous. Monsieur Juppé a changé d'attitude par rapport à la première instance. Mais comment ? Il a changé de point de vue par rapport à... Écoutez, il a tenu les engagements qu'il avait pris, c'est-à-dire de s'expliquer le plus complètement possible. Oui, oui. Il a dit un certain nombre de choses, vous l'avez entendu comme moi, du moins ceux qui étaient dans la salle l'ont entendu comme moi, dont on tirera un certain nombre de conclusions. Je pense que c'est tout à fait clair. Il reconnaît qu'il n'a pas été suffisamment vigilant. Voilà. Il n'ira pas plus loin. Mais écoutez, il reconnaît qu'il n'a pas été suffisamment vigilant. Et qu'il était au courant. Non, c'est pas dit, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. On se retrouve le 29. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Ça sera à vos côtés. Première instance. Peut-être en effet une insistance sur des négligences, un manque d'attention, un manque de vigilance. Peut-être. Mais je crois que ce n'est pas suffisant dans tous les cas pour nous. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Je crois qu'il faudrait reconnaître. Je crois que lorsque l'on a été un Premier ministre de la République française et un grand serviteur de la République, eh bien je pense qu'il faut reconnaître. Et c'est ça la grandeur, et je pense que le pays lui en serait reconnaissant. Il n'en prend pas le chemin là ? Je n'ai rien d'autre à dire.